Alléluia. Si vous n'avez pas une Bible, on va vous apprêter une Bible parce que la parole est très précieuse. Et je vous souhaite la bienvenue dans la maison de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Encore une fois, je vous salue au nom de Dieu. Je rends gloire à Dieu pour l'amour et pour la bonté. Le temps passe vite et l'air court vite. Mais nous allons faire de notre mieux pour être à l'air. Et nous savons que votre présence ici, c'est une grande bénédiction. Quelqu'un peut me donner un amen. Oui, amen. Alléluia. L'Éternel est bon. Je sais que Dieu t'aime. Alléluia. Dieu t'aime. Alléluia. Ah, que Dieu t'aime. Maman. Maman. Alléluia. Maman, nous allons lire dans Ecclésiaste. Nous allons lire dans Ecclésiaste chapitre 3. Et nous allons lire deux lectures séparées de chapitre 3. Ce qui veut dire que nous allons lire le verset 1er et le verset 14. Vous y êtes? Ecclésiaste, chapitre 3. Nous allons lire le verset 1er. Nous allons lire ainsi que le verset 14. J'ai lu au nom de Jésus. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Je vais prier. Père, nous te disons merci. Reine parmi nous, la parole est puissante. La Bible dit que tu as envoyé la parole nous a guéris. Que la parole de ce soir nous apporte la guérison au nom de Jésus. Lisez la parole de Dieu. 14. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à y retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Amen. Alléluia. Oh, quelqu'un peut acclamer très fort pour la parole de Dieu. Demande maintenant à celui ou à celle qui est à côté de toi de quel temps que tu te réfères. Ta référence de temps, de quel temps tu te réfères. Mon frère, demande-lui à quel temps il se réfère. Alléluia. Parce que vous savez, dans la vie, on a des références de temps. Et lorsqu'on a des références de temps, et chaque personne vit par rapport à ses références de temps, lorsque je serai à telle période, à ce temps, on a des ambitions et des projets concis par rapport à ce temps. Et lorsque on a des projets, on veut que cela puisse se réaliser à ce temps ou à cette période. Et quand Dieu nous conduit, nous devons savoir de quel temps que nous, quelle est notre référence des temps. Vous savez, on dit l'unité de mesure. Donc, c'est le mesure est équivalent à quelque chose. On peut mesurer les temps. Pour nous, l'air nous indique le temps que nous sommes. Mais quelle est la référence de ton temps? Et vous devez se rendre compte, le temps nous permet à avancer ou à cadrer certaines choses de la vie. Et lorsque certaines choses de la vie n'est pas cadrées selon ces temps-là, on oublie une chose. La Bible nous dit que chaque chose a son temps. Et si vous continuez dans cette lecture, il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour la paix, un temps pour la guerre. Un temps pour la joie, un temps pour la tristesse. Un temps, chaque chose a son temps. Mais le temps que Dieu te donne aujourd'hui, c'est le temps pour que tu puisses recevoir aussi sa parole. Essayez de cadrer le temps que tu utilises par rapport au temps de Dieu. Alléluia. Et vous devez savoir, dans la vie de chaque personne, le temps, c'est quelque chose qui est le plus précieux. Et le temps nous démontre, le temps, lorsque le temps change, ça nous partons avec le temps, si la croissance, nous croissons avec le temps. Alléluia. Et la Bible nous apprend que dans la volonté de Dieu, ce que Dieu a préparé, rien ne peut être retiré, rien ne pourra être ajouté. Et lorsque nous parlons de temps, chaque personne veut faire des choses
selon ses principes et selon ses calculs. Mais souvent, quand nous connotons à ces temps que nous voulons l'accomplissement, nous oublions souvent quel est le temps que Dieu a mis pour ta vie. Et la Bible m'apprend une chose. Dans Éphésiens chapitre 5, la Bible veut t'apprendre aussi quelque chose. Éphésiens chapitre 5, Dieu veut t'apprendre quelque chose. Chapitre 5, Éphésiens chapitre 5, nous allons lire le verset 16. La Bible dit ceci: rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Et lorsque nous parlons de temps, beaucoup de gens ont l'habitude de remettre à demain. Je vais le faire, mais je le ferai plus tard. Mais essayez un peu de se rendre compte. Parmi tous les projets que tu as conçus dans ta vie, 80% des projets, cela n'est pas, tu n'as pas pu réaliser ça. Tout simplement parce que tu dis: je vais le faire, je le ferai, ça va arriver. Mais le temps passe. Dieu t'interpelle aujourd'hui: rachetez le temps car les jours sont mauvais. Et je rends gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui je vois beaucoup de jeunes à l'église. Que Dieu soit loué. Lorsqu'on est jeune, on oublie le temps. Mais plus qu'on dort, on se réveille, on se rend compte un jour que le temps aussi a passé. Des années coulent. Des jours sont mauvais. Beaucoup de gens ignorent. En ce qui concerne le temps, quand est-ce que Dieu va accomplir sa volonté dans sa vie? Un jour, il viendra. Quel est le temps qu'il viendra? Jésus, on lui a posé la question par rapport au temps. Jésus les a dit tout simplement: ni moi, je connais ni le jour ni le temps. Alléluia. Vous savez, il y a des fois pour les autres personnes, venir à l'église aujourd'hui, c'est une force. Mais laisse-moi te dire, c'est une opportunité. Parce que tu ne devais pas être ici ce soir. Par rapport à tes temps, par rapport à tes calculs, peut-être ça ne fait pas partie de tes habitudes de donner un petit temps à l'Éternel. Mais aujourd'hui, une circonstance t'a amené d'être ici dans ce lieu. Mais Dieu te parle aussi pour racheter le temps, car les jours sont mauvais. Et laisse-moi te dire, je rends gloire à Dieu. Quand je vois la gloire de Dieu. Parce que quelqu'un ce matin, il était plus beau que toi. Il n'a pas pu encore se réveiller. Dieu a mis fin à ses temps. Laisse-moi te dire, belle femme, vous êtes tellement belle. Il y a des fois, ta beauté ne correspond même pas à l'Éternel. Tu dis: j'ai encore le temps. Je vais vivre plus tôt. Mais aujourd'hui, je suis encore jeune. Laisse-moi t'apprendre, la plus belle femme de top modèle vient de perdre sa vie aujourd'hui. Il y a même des jeunes aujourd'hui, étant donné qu'ils se remplissent compte du temps, ils sont capables de consommer sans se rendre compte, et demain ils sont devenus handicapés. Les temps sont précieux. Laisse-moi te dire, les temps d'aujourd'hui, que Dieu te donne, je ne sais pas si demain tu auras encore cette opportunité de recevoir la parole de Dieu. Il y aura des rassemblements, mais rares des rassemblements qui pouvaient te parler de la volonté ou de la parole de l'Éternel. Et si le temps est précieux, devant Dieu, un enfant de Dieu doit récupérer ce temps, racheter ce temps, en disant qu'aujourd'hui, devant la face de l'Éternel, quelque chose doit changer. Mais laisse-moi te dire, nous venons de lire dans Ecclésias chapitre 3, 14, la Bible dit: seul l'Éternel a la maîtrise du temps. Il peut ajouter, il peut retrancher. Et laisse-moi te dire, ma présence ici-bas, même si je ne suis pas là, ça doit changer, ça ne va rien changer à ce monde. Je vois lorsque un chef de l'État meurt, des gens vont venir, mais le monde restera monde. Alléluia. Le monde restera monde. Quel est notre thème d'aujourd'hui? Notre thème s'intitule: Dieu est le maître de temps. Dieu est le maître de temps. Il y a des fois quand on vit dans la vie, on a sensation comme si nous maîtrisons le temps. Mais nous oublions qu'il y a quelqu'un qui est capable, c'est l'Éternel, c'est le Dieu qui est capable de maîtriser le temps. Je vais t'expliquer comment. Au commencement, il a dit que la lumière soit,
et la lumière fit. Et si c'était non à sa déclaration de sa parole, la lumière ne devait pas être là. Et si Dieu a permis que la lumière soit pour que les jours commencent. La Bible dit, il y a eu un soir et une nuit, il fit les premiers jours. Alléluia. Et nous devons savoir une chose. Lorsque nous parlons, Dieu est le maître des temps. Quelque chose que tu ne maîtrises pas, tu dois racheter le temps. Cela veut dire quoi? Celui qui maîtrise le temps, celui qui rachète le temps, peut te permettre d'entrer dans ta bénédiction. Celui qui maîtrise le temps peut faire en sorte que ta bénédiction ne soit pas loin de toi. Celui qui maîtrise le temps peut faire en sorte de profiter, que Dieu puisse t'utiliser. Dieu ne va pas t'utiliser demain. Un vase d'honneur, c'est un moment de fête ou de temps qu'on peut t'utiliser. Ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend de la volonté de Dieu. Mais si tu maîtrises le temps et si tu fais partie de ces temps-là, Dieu va accomplir sa volonté. Mais pour que cette action s'opère en toi, et tu dois savoir maîtriser que Dieu est le maître de temps. Dieu est le maître de temps. Vous savez, il y a des fois quand on respire, quand on est en bonne santé, on ignore que Dieu est le maître de temps. Mais aujourd'hui, j'aimerais apprendre à quelqu'un. Et j'ai beaucoup réfléchi quand j'attendais ces messages, quand j'ai préparé ces messages. Dans ces temps que Dieu a permis, la meilleure chose que tu peux recevoir ce soir, c'est la parole de l'Éternel. Et celui qui reçoit la parole de Dieu, son avenir, Dieu est capable de changer son avenir. Laisse-moi te dire, il y a certaines opportunités, ça n'arrive jamais deux fois dans la vie. Ah, quelqu'un, je croyais que quelqu'un pouvait me donner un abonnement. Il y a certaines opportunités, je te dis que ça n'arrive jamais deux fois. Que Dieu te bénisse, que tu sois ici dans cette maison. Parce que ça pouvait être ailleurs. Mais laisse-moi te dire, celui qui reçoit la parole, sa vie doit changer et de nouvelles choses doivent commencer. Un homme a entendu Jésus parler. Jésus lui a dit tout simplement, suis-moi. Savez-vous combien de prédications vous avez déjà suivies et que rien n'a changé dans votre vie? Parce que chaque fois quand tu écoutes les prédications, tu ne fais jamais référence au temps. Tu écoutes des prédications, tu dis amen. Dieu se glorifie. La gloire est rendue en Dieu. Mais tu ne fais jamais référence au temps. Laisse-moi te dire, chaque jour que tu dois se souvenir de ce temps-là, de grandes choses vont se produire dans votre vie. Alléluia. Ah, quelqu'un ne comprend pas. Pesanga meni a bien pour Nafongola. Ah, loba meni a batu baza ya kona moka. Ah, pesanga meni a basantu libanda bayoka basantu bazawa. Ah, pesanga meni mokile ye bakayoza na nzambe ya solo. Pesanga meni batuba kompre yo komprene te ya lelo poza tango yo koso solution na kambo na yo. Likambo oyo komprene lelo sera benita benedisyo ti pe la tuche aujourd'hui. Si tu ne maîtrises pas le temps d'aujourd'hui, tu ne seras pas accédé à ta bénédiction. Je parle à quelqu'un ce soir. Si tu comprends aujourd'hui, Dieu te donnera la clé d'entrée dans ce temps au présent. Laisse-moi te dire, lorsqu'on parle de conjugaison, on parle de passé, on parle de passé, on parle de présent et on parle de futur. Mais si tu es venu devant Dieu, Dieu est capable de tout vivre aujourd'hui et de penser à toi demain. Dieu est capable de changer ta vie si tu comprends le temps. Dans un temps, lorsque Dieu te parle, c'est à toi de faire l'action pour vivre ta bénédiction. Laisse-moi te dire, la Bible me dit, un homme était pécheur professionnel. Toi aussi, tu maîtrises la vie, tu sais la vie. Mais cet homme, la Bible me dit, il a entendu une parole, après avoir tout travaillé, faire. Mais Jésus lui a dit une chose. Il a dit, écoutez-moi, avance en eau profonde. Cet homme a regardé, il a dit, maître, à ta parole j'accepte. Mais il ne savait pas le fait d'avancer, qu'est-ce qui pouvait arriver. La Bible dit, Jésus s'est reposé dans son barque. Laisse-moi te dire ce soir, la parole de Dieu se repose aussi dans ton cœur. La dernière décision qui va changer ta vie, c'est ce temps-là qui va déterminer les choses qui peuvent changer dans votre vie. Oh, la zone à moto et Alléluia. Et laisse-moi te dire une chose. Si tu saisis l'opportunité de temps, beaucoup de choses peuvent changer dans votre vie. Et la Bible me dit, lorsque Jésus lui a dit, avance en profondeur. Laisse-moi te dire, celui qui comprend le fait de temps, ta vie peut changer aujourd'hui. Ta destinée peut changer aujourd'hui. Et laisse-moi te dire, lorsque Jésus lui a dit, jette son filet. Et il a dit, maître, j'ai travaillé toute la nuit, mais je n'ai rien eu.
un professionnel, un pêcheur professionnel, c'est qu'on peut attraper des poissons la nuit. Mais dans ce temps de la foi, dans ce temps de la parole, dans ce temps de la vérité, dont Jésus enseigne son peuple, Jésus est capable de faire des choses même d'une manière bouleversée. Parce que c'est l'accomplissement de sa parole qui va arriver. La Bible dit, lorsqu'il a jeté son filet, il n'a jamais péché comme dans sa vie, comme jamais. Alléluia. Celui qui reçoit la parole, que sa vie change. Et la blessure te dit, Pierre a péché. Il a vu des poissons. Mais il a dit, maître, je ne peux pas te laisser. Parce que c'est temps ici. Je pourrais rester toujours pécheur. Mais rien ne pourra changer dans ma vie. Mais si je te suis, j'ai compris une chose à ce temps ici. Je ne serai jamais pécheur. Jésus lui a dit, suis-moi. Je te ferai pécheur d'homme. Cela veut dire, celui qui comprend le fait des temps, lorsqu'il se rencontre avec Jésus-Christ, des choses peuvent se produire. À cet instant-là même, ta vie peut changer. Parce que Jésus-Christ est capable de rendre l'impossible devenir possible. Mais écoute-moi, peuple de Dieu, le plus important dans ta vie, c'est de s'accrocher avec Jésus et marcher avec lui. Alléluia. Et je dis à un enfant de Dieu ce soir, et si tu comprends le fait des temps, Dieu te fera des grandes choses. Dans le temps, il faut savoir tirer profit des opportunités, des temps. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Tirer profit de l'opportunité du temps. Et lorsque Dieu te donne un temps favorable, ne laisse pas ce temps-là échapper. Parce que souvent quand on sait aujourd'hui, mais souvent, la plupart des cas, on ne sait pas qu'est-ce qui doit s'arriver demain. Alléluia. Et si Dieu te donne cette opportunité-là, ne lâche jamais Dieu. Ne lâche jamais Dieu. Revenons encore à Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. J'ai lu au nom de Jésus. J'ai encore vu sous le soleil que la course ne point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni les pains aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Car tout dépend d'eux, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Amen. Alléluia. Tout dépend des temps et des circonstances. Lorsqu'on parle d'un savant, l'invention d'un savant peut bouleverser le monde et changer toute sa vie. Parce qu'à ce temps-là, il a trouvé comment faire voler un avion. Lorsqu'on parle d'un savant, lorsqu'il maîtrise comment communiquer en distance avec une personne, directement ton nom devient célèbre parce que tu as trouvé la solution qui n'existait pas avant. Mais ce temps-là, lorsque ce temps-là arrive, ça change catégoriquement la dimension de la personne. Alléluia. Sur le plan spirituel, lorsque tu es connecté à Dieu, lorsque Dieu t'amène, la Bible me dit, Jésus a dit à Pierre, sur cette même pierre que j'ai bâtirai mon église. Pierre était un homme de foi. Lorsqu'il a profité des temps, ce temps-là fait l'homme de la tête de l'église. Profitez des opportunités qui t'offrent les temps. La meilleure opportunité que Dieu te donne aujourd'hui, c'est sa parole. Et celui qui reçoit la parole ne pourra en aucun cas rester indifférent. Parce que la parole est capable de changer la dimension humaine. La parole prend quelqu'un en bas et les mains en haut. La parole peut changer la nature d'une personne. Un brigand peut devenir un enfant de Dieu. Un alcoolique peut rencontrer Jésus-Christ à cause des temps. Ces temps que nous sommes ici à l'église. Vous pouvez être Barnabas. Barnabas, cela veut dire, vous êtes connu aussi par le mal. Mais à ce temps, ça coïncidait qu'on puisse faire un choix entre Barnabas et Jésus-Christ. Alléluia. Mais à ce temps, Jésus a accepté de prendre ta place. Alléluia. Étant donné que tu es Barnabas, que nous sommes Barnabas, nous devons profiter de ce temps, cela veut dire de chercher la face de Dieu, pour que Dieu nous amène dans une autre dimension. Et laisse-moi te dire, quand on est jeune, tellement des ambitions sont grandes, il y a même certaines choses, on est capable de retarder ça. Je le ferai demain, je le ferai après-demain, je le ferai l'autre jour. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Le meilleur moment que tu peux rencontrer Jésus, c'est maintenant. Le meilleur moment que tu peux dire que je peux aller avec Dieu, c'est maintenant. Il y a des fois, c'est triste de voir des gens de ne plus aimer Dieu
profiter de ce temps-là. Et si Dieu t'amène ce soir ici, parce que Dieu a quelque chose de nouveau à faire dans votre vie, alléluia. Laisse-moi te parler un peu de temps. Dans des temps anciens, Bianca n'était pas là. Quelqu'un comprend? Aujourd'hui, il y a Bianca. Alléluia. Donc cela veut dire, si Dieu a permis que Bianca soit aujourd'hui, Dieu a préparé aussi un projet pour ta vie. Dieu veut t'amener encore une dimension très lointaine. Dieu veut faire encore Pierre. La même manière qu'il a rencontré Pierre, la même manière il te parle aujourd'hui. Dans ces temps que nous sommes, va en profondeur. Et si tu vas en profondeur, beaucoup de choses peuvent changer dans votre vie. Alléluia. Nous allons rapidement lire dans Galates. Galates. Nous allons lire dans Galates. Galates chapitre 4, verset 4. Galates 4, 4. Julien de Jésus, mais lorsque le temps était encore accompli, Dieu a envoyé son fils, ni d'une femme, ni sous la loi. Amen. Alléluia. Lorsque le temps était accompli, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, de naître sous la loi. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Jésus ne pouvait pas être né avant le temps. Lorsque le temps était accompli, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme. Donc cela veut dire, dans le temps, il y a même certaines choses, ça ne peut pas atteindre ta vie lorsque le temps n'est pas encore arrivé. Alléluia. Il y a des fois, on veut forcer des choses. Même l'avenir, l'accomplissement de la naissance de Jésus ne pouvait pas arriver sans l'accomplissement des temps. Et lorsque ce moment-là est arrivé, Dieu a envoyé. Malgré la loi, malgré toutes les condamnations qui peuvent régir la loi, mais Dieu a permis que son fils puisse être né d'une femme. Le temps de Dieu. Le temps. Et lorsque le temps arrive, Dieu peut te faire d'un pasteur, d'un prédicateur de l'évangile. Cela veut dire que le temps peut changer l'identité d'un homme. Un fumeur de chambre peut devenir un enfant de Dieu. Un brigand peut devenir un enfant de Dieu. Parce que le temps est arrivé. Le temps te donne plus à comprendre. C'est à toi de saisir l'opportunité de ce temps. En disant que Jésus, il s'est fait sacrifier pour moi. À ce temps que je reçois l'évangile, c'est à moi de s'accrocher davantage à ce Dieu-là. Alléluia. Alléluia. Et le temps, beaucoup de gens sont négligents au temps. Il dit, je vais prier, mais je vais prier demain. Je vais servir Dieu lorsque j'aurai 25 ans. Je vais servir Dieu lorsque je vais me marier. De quel temps tu te réfères? Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Aujourd'hui, on le sait, mais demain, on ne maîtrise pas. Dieu seul a la capacité et l'autorité de maîtriser le temps de demain. Ce soir, je ne sais pas. J'aimerais qu'on puisse s'approcher auprès de l'Éternel. Je sens que quelqu'un peut avoir envie de prier. De dire à Dieu, aide-moi, assiste-moi. Les temps sont mauvais. Je ne sais pas, je ne maîtrise pas tout. J'ai compris que je ne maîtrise pas le temps. Mais seul l'Éternel est capable de maîtriser le temps de ma vie. Aide et assiste-moi. Pour que de nouvelles choses commencent dans ma vie. Dieu a dit, aide-moi et assiste-moi. Pour que je profite de ce temps que tu m'offres. Le temps que nous avons ici-bas, c'est le temps de la vie. Lorsqu'il y a la vie, on peut encore espérer et faire pour Dieu. Si nous n'avons plus la vie, c'est fini. La Bible dit, après la vie, vient le jugement. Le temps est tellement précieux. Le temps t'aide, à travers ces messages, à prendre des bonnes décisions face à ton Créateur. T'aide à dire que maintenant j'ai compris. Je ne peux pas lâcher. Car je suis un Barnabas ce soir. Dieu connaît mes fautes, mais personne ne peut te réprimander. Personne ne peut te dire non. Mais Dieu t'accepte tel que tu es. Dieu nous accepte tel que nous sommes. De profiter de ces temps. Peuple de Dieu, il n'est pas donné. La Bible dit, il est donné aux hommes de vivre qu'une seule fois. Après la mort vient le jugement. Le jugement arrive. Le temps du jugement viendra. Mais j'aimerais que quelqu'un puisse profiter de la grâce que Dieu l'offre maintenant. Ce soir, dis à Dieu, Père, je suis là.
J'ignorais que le temps est précieux. J'ignorais que je peux profiter du temps. Seigneur, aide-moi, assiste-moi, afin que je puisse profiter vraiment du temps que tu m'as offert. Afin que je puisse te louer, te célébrer, te rendre gloire, reconnaître tes bienfaits. Nous prions au nom de Jésus. Nous te disons merci. Tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu de grâce. Tu nous soutiens par ton amour. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta bonté. Seigneur, ta bonté se voit chaque jour. La Bible me dit que tu renouvelles ta bonté chaque jour. Ô Éternel, je vais être à toi Seigneur. Je vais te célébrer, te glorifier, te rendre gloire. Je t'aime Seigneur. Si nous sommes là, si on est là Seigneur devant ta présence, car nous savons que tu nous as offert un temps précieux pour venir auprès de toi, pour te célébrer, te louer, te rendre gloire, te bénir, te glorifier. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Père, il n'y a que toi. Le Dieu qui nous soutient par ton amour, ce qui est par ta volonté. Je vais être qu'à toi, Seigneur. Ce soir encore, je viens te célébrer, te louer, te rendre gloire. Seigneur, toi qui m'as offert le souffle de vie. Toi qui m'as donné le pouvoir d'être parmi les vivants. Seigneur, ce soir, tu me parles comme une pierre. Oh, enfin d'entrer en profondeur pour chercher ta face. La Bible me dit, celui qui cherche, cherche l'Éternel. Oh, Éternel, tu es le Dieu de bonté. Tu es le Dieu qui nous soutient par ton amour et par ta volonté. Tu es le Dieu des miracles, Père. Change la vie de quelqu'un ce soir. Qui sait qu'il peut profiter pleinement de sa vie. Car il est haut, Seigneur, tu es le Dieu des grâces. Seigneur éternel, Dieu de gloire. Oh, merci éternel. Ton nom est merveilleux, Seigneur. C'est pour cela que nous attendons ce soir. La bonté sur ton amour, Seigneur. Je ne n'aime que toi, Jésus mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Autant ça va participer ma prise en salle. Quelqu'un doit prier. Je sens qu'il y a des gens qui veulent prier mais qui se retiennent. Il dit pourquoi je dois aller au fond? Pourquoi je dois prier? Pourquoi je dois prier? Pourquoi je dois me retenir? Oui, si tu es là, l'univers Et le temps,
Alléluia. Ekunusu, yo obi ki sa. À ces temps, tu nous as donné le souffle de vie. À ces temps, tu nous as bénis. Nous te bénissons, nous te célébrons. Nous te proclamons roi des rois. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Amen. L'Éternel est bon. L'Éternel est merveilleux. Alléluia. Dans un moment, j'ai prêché comme ça en bas, mais je te vois aussi comme ça en bas. Jésus, il est comme ça, ça, ça. Au moins, mon ami, ça se voit. Jésus, il est comme ça, ça, ça. Ah, vraiment. Vraiment, Jésus, ça, ça. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Amen. Amen. Namoni osa esengo tenga. Moi je suis dans la joie. Aidez-moi, je veux qu'il y ait notre sœur Bianca. Nous voulons accueillir notre sœur. Ah, bêta. Beta ma boko.
Elle est trop belle. Ah, elle est trop belle. Amen. Pourquoi nous avons accueilli cet enfant? Parce que elle est une bénédiction pour sa famille. Elle est aussi une bénédiction pour vous et moi. Vous savez, il y aura une cérémonie spirituelle. Alléluia. Parce qu'on va dédicacer cet enfant auprès de l'Éternel, sa croissance, sa vie entre les mains de Dieu. C'est pour cela que vous êtes là. Et c'est pour cela que nous sommes ici. Alléluia. Tu as grandi il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Hein? Alléluia. Dieu est bon. Vous savez, comme nous parlons à ces temps, que Dieu nous a bénis avec une grande bénédiction. Quand Dieu t'est béni, il faut être aussi reconnaissant auprès de l'Éternel. Parce que beaucoup de gens, quand on reçoit auprès de l'Éternel, ils ne reviennent plus pour reconnaître la bonté de l'Éternel. Ses parents, ils sont venus pour dire merci d'abord à Dieu. Non seulement pour dire merci à Dieu, pour déposer sa vie entre les mains de Dieu. Que Dieu la protège. Que sa croissance, que Dieu puisse gérer sa vie. Que cet enfant puisse être très intelligente comme nous venons de lire des savants. Toi, tu vas nous créer quoi? Ah, tu vas créer des grandes choses au nom de Jésus. Ah ouais. Vous devez se rendre compte. La science, c'est Dieu qui a donné cette connaissance-là. Donc, il n'est pas impossible qu'un enfant de Dieu puisse créer, inventer des choses. Parce que c'est Dieu, c'est notre Dieu. Et j'aimerais vraiment profiter de l'occasion pour demander à vous, les parents, d'aider cet enfant de grandir dans le chemin de Dieu. Pourquoi? Dans ces pays que vous avez donné naissance à cet enfant, papa, regarde-moi ici. Dans ces pays que vous avez donné naissance à cet enfant, c'est un pays qui ne croit pas en Jésus. Mais moi, la Bible me dit, lorsque vous allez arriver dans leur pays, pour nous les Israélites spirituels, ne prenez pas leur habitude. Donc, c'est-à-dire, aider cet enfant à connaître Dieu, à évoluer avec Dieu. C'est une cérémonie purement spirituelle, parce que nous allons prier. Mais c'est à vous aussi, les parents, de l'aider. Vous allez se rendre compte pour que le dimanche prochain qu'il vienne à l'église, lui-même ne peut pas venir. Comme des parents ont amené des enfants, faites ça de même aussi chaque fois que vous allez vers Dieu et Dieu vous bénira. Amen. Hein? Est-ce que l'église est contente? Ce que l'église est contente, Yambasé, avec l'aide des parents, est-ce que vous m'autorisez de présenter cet enfant auprès de l'Éternel, celui qui a créé le ciel et la terre? Est-ce que vous me permettez aussi de l'encadrer dans la direction de la foi chrétienne? L'église, avec votre accord, on peut prier pour l'enfant. Acclamez très fort pour l'enfant. J'aimerais demander à toute l'église de s'élever. Je demande à l'église de s'élever. De commencer à prier pour cet enfant. Demande à Dieu que sa vie, que sa croissance soit sous la protection de Dieu. Que Dieu la protège aujourd'hui et à jamais. Prions au nom de Jésus. Père,
Adonai, nous te disons merci. Celui qui donne, nous mettre des temps et des circonstances. Celui qui appelle en existence ce qui n'existe pas. Je te confie Bianca en tes saintes mains éternelles. Que sa vie soit sous ta protection aujourd'hui et à jamais. Que sa croissance soit sous ta protection au nom de Jésus. Et que toute l'air qui viendra toucher sa vie puisse rencontrer ta présence, Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus. Éloigne loin d'elle tout obstacle de la vie, toute mauvaise rencontre des esprits contraires, soit éloigné d'elle au nom de Jésus. Je te la dédie, Seigneur, jour et nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'elle soit sous ta protection au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je confie cet enfant en tes saintes mains. Seigneur, laisse que la paix et que la bonté de l'Éternel demeure dans sa vie aujourd'hui, à jamais, à l'éternité. Seigneur, en tes saintes mains, aide tes parents, Seigneur, à bien encadrer cet enfant dans cette direction de la foi. Et que toi, Seigneur, tu sois le seul patron de cette famille. Comme David disait, moi et ma maison, comme la déclare la Bible, nous servirons l'Éternel. Seigneur, fais de même dans cette famille, afin qu'elle puisse te célébrer tes rangs de gloire. Père, par la foi, j'ai ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. La sœur Bianca donne son premier offrande. Papa, l'offrande de sœur Bianca. Acclamez très fort pour la gloire de Dieu.